pour m'emmerder, c'est ça? Antoine, j'ai pas envie d'y aller, c'est tout. Tu peux y aller sans moi, là, t'occupes pas de moi. Tu parles, tout le monde va me demander où t'es. Puis aura Laura, vous entendez bien toutes les deux. Je veux dire quoi, que tu boudes, t'as pas envie de la voir? Si au moins t'avais une vraie raison. Oh, mais tu trouveras quelque chose. Maintenant, n'insiste pas, je n'irai pas. Tu veux pas que je mette la radio? Non. Tu veux pas que je chante, hein? Allez, mamie. Bon. Je vais acheter des clopes, tu m'attends deux minutes? Non, non, mais reste au rangé. Tu es perdue, madame? Mais t'étais où, Bignouille? Coquin. Bon, en attendant, on a commencé sans toi, hein. Tu veux? Oh, il carbure à quoi, le boy? Bah, qu'est-ce que t'attends? Viens t'asseoir. Alors moi c'est Myriam, c'est moi qui invite, on habite juste à côté. Ouais. Alors avec ceux-là on se connaît à peine, mais on se plaît bien. Voilà. Il a fait si chaud aujourd'hui qu'on profite de la soirée, de la fraîcheur et de l'amitié. Voilà, ne te pose pas trop de questions. Moi c'est Léa. J'y pense, t'as peut-être faim? Tu aimes la tomate? Bah oui, mais je voudrais pas vous déranger.
On a broyé cet après-midi. C'est une recette espagnole, il faut tremper le pain. Allez. C'est bon. Aristide, au fait. Enchanté, Léa. Moi, je suis Abel, pêcheur, aventurier et joyeux de rire. Heureux de te rencontrer. Plaisir partagé. Et moi, alors, tu me demandes pas? T'es vraiment bizarre comme fille. Tout à l'heure, t'étais triste et tu m'as même pas demandé mon prénom. Et où était ma maman? C'est ce que font les grands normalement. Mais si ça t'intéresse, moi, c'est Livio. Mais tu as raison, Livio, je me suis mal comportée. Je ne suis peut-être pas si grande que ça. Allez, laisse Léa se reposer. Tu sais, Livio, par définition, tous les adultes sont bizarres puisque c'est plus des enfants. Et comme ils vivent des choses bizarres, ben, ils font des choses bizarres. Tiens, moi, par exemple, tout à l'heure, on m'aurait dit que j'allais pas à la pêche ce soir, avec ma barque, bien tranquille, à regarder les étoiles, à écouter le fleuve. J'aurais cru à une blague. Et puis je me retrouve là, à faire la fête, avec de la musique, avec de la danse, du vin, avec le bruit des vagues, la nuit, les étoiles, et un nouvel équipage. Non, moi je veux voir le sud, le vrai. Les paysages, les musiques, les gens. Moi j'aimerais voir tout ça, je suis pas du genre à aller dans les palaces à touristes avec la piscine, le jacuzzi, la danse du ventre et tout le tralala, tu vois. Non, moi je pense que quand il fait tellement chaud que la transpiration t'aveugle, que tu brûles de l'intérieur, bah tu vois, c'est la passion, c'est la sensation physique de la passion, tu vois. Arthur Rimbaud, vous connaissez? Arthur Rimbaud. Putain, c'est un sacré putain de poète, ce mec. Bah, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a plus écrit de poème, et bah, il est allé dans le Harar. L'art rare. Ouais, c'est un désert en Éthiopie. Et bah, là, il a arrêté d'écrire, ce mec. Mais il en avait plus besoin. Il a voyagé, il s'est brûlé, liquéfié et... tout ça, quoi. Puis voilà, on est arrivé ici, on a rencontré tout le monde. D'abord Livio et Myriam qui pique-niquaient. Puis Abel qui a posé l'encre ici et qui a proposé du vin à Livio. Aristide, il est arrivé ici, on ne sait pas trop, il a posé son sac, il s'est assis et puis s'est mis à danser. Mmh.